Rebonjour tout le monde, bienvenue sur La Pressinée, la chaîne du passionné. Bon alors, deuxième partie hein, de ces achats hein, que j'ai fait hier. Alors, hein, déballage en direct les amis. Alors c'est parti. Alors, c'est un des films fantastiques, un de mes films fantastiques préférés depuis que je suis adolescent. Il s'agit... Alors, édition un hyper collector de Christine. Alors, hein, de Carpenter, de 1883. Limité à 3000 exemplaires dans le monde. Et je l'avais vu dimanche, quand j'allais flâner à la Fnac. J'ai dit, tiens. Il a l'air d'être bien ce coffret là. Puisque en fait j'ai déjà le film ici, mais en édition DVD, hein, édition spéciale. Et donc avec quelques bonus. Et eh bien je vais vous déballer tout ça en direct. En faisant vraiment attention. Alors pour info. Ce coffret, donc là c'est un prix vers la Fnac 49,99 €, alors que en vrai il vaut 65,69 €, ce qui fait quand même un prix fort intéressant, puisqu'il y a une ristourne de. Voyons voir. Je suis très mauvais en calcul mental. Alors, je vais mettre de la calculatrice, soit quand même 15,70 € d'économie. C'est quand même pas rien, les amis. Bon, avant de le déballer d'abord, je vous remonte de près, voilà. Et derrière, bon, voilà. Bon, là, il y a l'étiquette qui gêne, mais hein, je vous remontrerai après. Voilà. Alors, c'est parti. Re-ciseau. Faire attention, on ne va pas l'abîmer. Je vais même y aller. Non, je vais quand même y aller même avec les doigts parce que je veux pas l'abîmer. Avec les doigts, ça sera mieux. Mais c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout. Alors, avec les ongles, le peu d'ongles qui me reste. Voilà, j'ajoute une petite pointe de ciseau quand même pour essayer de soulever le plastique. Voilà. Donc c'est quand même bien emballé. Hein. Hop. L'excitation extrême du collectionneur qui déballe quelque chose de neuf. Est-ce que vous savez ce que c'est? Voilà, je ne vais pas abîmer l'étiquette. Parce que j'ai l'étiquette, je vais la garder. Je la mettrai dedans. Hop. Ah. C'est les étiquettes qui sont sur le cellophane. Mais bon, fait partie de l'achat. Je vais les garder. Hein. Voilà. Bon, c'est vraiment un superbe graphisme. C'est un peu sombre, je ne sais pas si on peut voir on peut vraiment voir. C'est un peu sombre. Mais en fait, là, c'est voilà, c'est du graphisme vraiment bien fait, je trouve. On voit en fait la voiture et Arnie à côté, polonais. Je surveille le temps qui me reste parce que, comme je suis vraiment que sur mon téléphone, il n'a pas une capacité de mémoire extraordinaire. Donc ça va, je vais pas faire une vidéo de plus de 21 minutes, 2 secondes qui me reste. Alors, là, voilà. Là, c'est le verso. Et là, c'est le livre. Voilà. Ah, d'accord. Ça s'enclenche là. Alors, bah oui, voilà. L'acteur, je ne me rappelle plus son nom. C'est lui qui fait Arnie. Vraiment superbe, superbe présentation.
Voilà. Avec ici Christine dans les flammes de l'enfer. Alors, j'ouvre le dit coffret livre. Ça prend vraiment comme un livre, hein. Ah, d'accord. Là, il y a les. Voilà, donc là, on a le 4K, donc version 4K. Bon, rien d'extraordinaire, tout en noir. De Christine. Alors, comme c'est tout neuf, c'est tout raide. J'essaie de, voilà, de remettre dans la pochette en carton. En fait, il y a trois DVD, hein. Voilà. Il y a le Blu-ray et l'édition DVD sans les bonus, il me semble. Ici, c'est quoi? Donc là, c'est le Blu-ray. Voilà, rouge. Le Blu-ray, le film avec les suppléments. Pareil pour le 4K. Et là, le DVD, où est-il? Ah, il est là. Également le DVD, le film avec les suppléments. Voilà, comme ça, il n'y a pas de jaloux. Bien. Pas évident à rentrer comme c'est tout neuf. Et le superbe livre de 200 et combien de pages? Il y a 197 pages. Voilà. Magnifique, magnifique. C'est vraiment un bouquin, quoi. Un bouquin, carrément. Voilà. Avec plein de choses à voir dedans, à lire. Je vais regarder quand même qu'est-ce qu'il y a. Ah, c'est vraiment un bouquin, quoi. Comme un livre. Oh, il y a même un marque-page. Super. Ça, alors, un marque-page avait en fait le numéro de mon collector. Donc, c'est le 975, 975e. Donc, c'est dans les premiers pressages, hein, de mon édition. 975 sur 3000. Christine et derrière coffret ultra collector les amis vraiment un superbe alors le bonheur de sentir le neuf sentir le papier neuf pour vraiment un collectionneur que ce soit de bouquins ou quelque chose qui est neuf sentir le neuf c'est toujours été important pour moi de sentir le neuf. Je sais pas de quoi ça vient, mais j'aime ça, quoi. Depuis que je suis tout petit. Et le papier a une odeur. Puis il vieillit, moins ils sont bons. Enfin bon. Alors, il y a vraiment un super ouvrage. C'est vraiment un bouquin à lire, quoi. Hein, avec plein de choses à bouquiner dessus. Enfin, c'est vraiment un superbe ouvrage avec des photos. Carpenter, un de mes réalisateurs préférés. Encore vivant. Bon, vraiment un super ouvrage. Je vais vous montrer voilà, sans abîmer les pages. Je vais me mettre carrément debout comme ça. Ça sera plus pratique pour moi. Voilà. Donc là, c'est les premières feuilles. Voilà. Bah, c'est vraiment un. Il y a de quoi lire. Hein. Vous voyez, hein. Des photos, il y en a en pagaille. C'est vraiment un super bouquin. Et de quoi lire. Il y a vraiment de quoi faire. Plein d'informations intéressantes.
Je suis vraiment très content de l'avoir acheté. Puisqu'en plus, détail important, il n'y avait qu'un exemplaire en rayon. Hein. Je ne sais pas s'ils en ont en stock, mais il y en avait un seul exemplaire, ainsi que juste à côté, le coffret collector de Donnie Darko, dans le même genre, au même prix aussi, il me semble. Voilà, maintenant le descriptif. Je surveille le temps. Voilà, ça va aller. Donc le descriptif même du coffret. Alors, le film, donc restauration 4K, HDR10, plus Dolby Atmos, les suppléments en HD, commentaires audio de John Carpenter et Kit Gordon. Bon, Kit Gordon, voilà, c'est l'acteur qui fait Arnie. Making of 48 minutes, un making of en trois parties, voilà. 20 scènes coupées. Le Carrosse d'or 2019, conversation avec John Carpenter. Donc, ça c'est 74 minutes. Les scènes coupées c'est 26 minutes. Making of 48 minutes. Bon annonce teaser, bon annonce originale. Oh, c'est le pied quoi. C'est vraiment le pied. Un livre de 200 pages, enfin 197 à lire. Et 50 photos d'archives. Vraiment superbe. Voilà. Et bon, l'histoire, je rappelle, c'est Arnie hein, qui est un adolescent timide et complexé. Un jour, il fait la rencontre de Christine, une Plymouth Fury de 1958 en piteux état, et décide de l'acheter. Lorsque la voiture retrouve une seconde jeunesse, le comportement d'Arnie se met à changer. Désormais sûr de lui, en couple avec la plus belle fille du lycée, il reste néanmoins obsédé par Christine. Quiconque osera se mettre en travers de leur chemin devra en payer le prix fort. C'est vraiment un film qui a marqué mon adolescence. Vraiment, j'ai un lien affectif avec ce film que j'ai vraiment adoré, quoi. Et voilà, je vais vraiment le savourer en édition Blu-ray, bon, parce que j'ai pas l'équipement 4K pour l'instant. Et vraiment, je vous invite vraiment à voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Donc c'est un film qui dure. Est-ce qu'il y a le descriptif de la durée polonais? Est-ce que c'est marqué quelque part? C'est pas marqué. Hein. Non, ça sent. Voilà. Donc en version en version Blu-ray, c'est 110 minutes. Et en DVD, c'est 105 minutes. Donc on a 5 minutes de plus. C'est toujours ça à prendre. Que je compare en fait avec l'édition Blu-ray. Hein. Ici, en bonus, on a des bonus quasiment similaires. Sauf que là, il y a bon. Est-ce que j'ai les commentaires audio? Oui, commentaires audio de John Carpenter et Kit Gordon. Tout à fait. Et dans le DVD, il y a 20 scènes supplémentaires. Là, j'en ai pareil. Christine Fast and Furious, un documentaire de 30 minutes. C'est différent d'une édition Blu-ray, non? Oui. Bon, c'est un documentaire, ben voilà, je le verrai en complément. Hein. En tout cas, j'ai bien fait de pas l'avoir vendu avant d'acheter le coffret. Hein. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le DVD? La chaîne de montage, 8 minutes. Christine, la mise en route, 12 minutes. Et film annonce. Voilà, ça va être un bon complément hein, de l'édition Blu-ray. Christine, en plus, je l'avais acheté en occasion chez Easy Cash pour 2,99 €. Une belle édition spéciale. Hein. Voilà. Christine de John Carpenter. Avec en plus un petit feuillet hein, voilà, avec les tailles des chapitres. Ça vous paraît peut-être futile, mais pour les collectionneurs et passionnés comme moi, c'est important, voire même des fois très important. Bon, que dire d'autre sur ce magnifique coffret, les amis? Je crois que j'ai fait le tour. Donc pour le Blu-ray en ce qui me concerne et le DVD, donc ce sera du 1080
et 23.98p, voilà, version originale Dolby Atmos et DTS HD Master Audio 2.0, version française, tout à fait, oui. Sous-titres en français. Ah, j'ai pas la version anglaise. Ah oui, oui, si, si. Version originale Dolby Atmos, donc en anglais, tout à fait. Et la version française, pareil pour le 4K. Voilà les amis, et eh bien ce qui conclut cette deuxième partie hein, de mes achats d'hier hein, et déballage en direct. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vraiment pour offrir ça à Noël, c'est vraiment une bonne idée de cadeau hein, que je vous donne. Si vous connaissez quelqu'un ou vous-même, ou vous faites un cadeau à vous-même, c'est le meilleur. Hein. Comme moi, je me fais des cadeaux à moi-même et je suis jamais déçu. Et vraiment, c'est une belle idée de cadeau. Hein. Je remonte vraiment le beau graphisme de présentation du coffret. C'est vraiment super. Alors, eh bien, les amis, n'oubliez pas de me laisser vos commentaires en dessous de la vidéo. Mettez-moi un aime si vous avez aimé. Partagez également mes autres vidéos. N'oubliez pas de les réseaux sociaux, compte Twitter, l'Après Ciné, page Facebook, Post Ciné et mon compte Instagram, Ciné, petit tiret, série au pluriel, petit tiret, passion. Allez-y voir ou suivre mes réseaux sociaux parce que je mets régulièrement des posts. Merci pour votre attention, c'était Fred et moi je vous dis. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!